te mets, on met là, celui-là. Ils vont te manger en 5 minutes. Comment est la chair humaine? Hein? Comment, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Répondez-moi, allez vous manger ça. Qu'est-ce que vous trouvez dedans? Il y a quoi? C'est doux. Vous avez bouche pour parler. C'est doux. Hein? C'est comme on se lève matin, on se lève le soir, on prend un loco. Puis on trouve que c'est doux, on cherche un loco pour manger là. C'est mon secret. Je cherche à manger la chair humaine. Ok. Monsieur, vous êtes sorcier. Je suis sorcier. Vas-y. Ça a été donné par une grand-mère. Mais ton nom, s'il te plaît. C'est Flanloa Christian. Je l'ai donné par une grand-mère à Yamsoukou. Alors, elle avait fini de manger. Maintenant, il avait le reste de sa nourriture. Mm-hmm. Maintenant, je l'ai. Je vais peut-être un tic aussi. Laisse-le passer. Pour qu'il soit libre de ce mouvement. Elle m'a donné le reste de sa nourriture. Vous savez qu'elle a pris sa nourriture. Je n'ai pas la nourriture étant goûtée. Maintenant, quand j'ai mangé la nourriture, ma vision dans le deuxième monde, genre, j'ai commencé à voir les gens, les personnes nues. J'ai commencé à voir, genre, j'ai eu mes yeux spirituels. Maintenant, la nuit, parce que je suis les sorciers, c'est une tradition. Quand tu manges la chair humaine, même si tu n'as pas mangé par toi-même ton avis, tu dois forcément le rembourser. Donc la nuit, elle est venue me chercher dans un songe. Elle me dit que ce qu'elle m'a donné dans la nourriture, c'est de la chair humaine. Donc je devais lui rembourser. Et ça, j'ai donné quelqu'un à sa place. J'ai donné... Ça a donné quelqu'un à sa place. J'ai donné... Non, laissez... Je suis en train de le regarder. Ça a donné... On t'a demandé, tu lui dois parler. Or, il y a deux éléments sur lesquels les sorciers ne vont pas vouloir revenir. Or, s'il dit le nom des gens qu'il a tués, il se défait de la confrérie. S'il encore dit le nom des membres de sa confrérie, c'est fini. Ça le délivre lui-même. C'est une société secrète. Bon, tu dis, ce que tu as fait ici, tu viens de faire ici, il ne faut jamais le dire quelque part. Oui. Et gars secret. Ils ont toutes les informations, vous regardez. Vous souffrez, l'argent, ils ont ça comme information. Et vous regardez. Et gars. Mais c'est des menaces de mort. Or, s'il dit j'ai tué tant, c'est fini, il brise le pacte. C'est un pacte. C'est vrai que par moments, ça nous amène à être patient. Or, en vent, ce qu'on appelle l'inquisition, ça va être des baxonnades. C'est pour ça que les gens ne jouaient pas que. Quand vous regardez l'inquisition, pour le faire chaud maintenant dans les yeux des orgies, vous leur arrachez des aveux. Or, nous, ce n'est pas sous des baxonnades. C'est avec la puissance de Dieu. Or, toutes ces sciences, ça se prépare déjà, spirituellement, pour aider. Or, depuis que nous présentons la sorcellerie comme une maladie, ça aide même les sorciers à parler. Ils sont malades. Pendant que tu manges comme ça, eux, ils te voient en cabri. Comment faire pour te manger? Eux, tout c'est dans leur tête. Comment faire pour te manger? Tu causes à lui, il cherche. Il voit que ta cuisse est bien. Est-ce qu'il peut aller te manger? Le sujet est trop sérieux. Il te regarde. Apprends à le prendre. Il te regarde, il voit que c'est sérieux. Monsieur, on y va. Tu as tué combien? J'ai tué 4 personnes. 4 personnes. Comment tu fais pour tuer les gens? 8 personnes. Je suis hors de savoir. Je connais sur la personne. Maintenant, quand on dit la nuit, oui, j'arrive sur la personne et puis je me transforme en animal. Oui, parle fort. Je me transforme en un animal, dans le chat. Maintenant, ne t'en pas de parler. Je me transforme en un animal, le chat.
Maintenant, quand j'arrive à côté de ton mur, je rentre à travers. Maintenant, à l'intérieur. Non, tu sais, sérieux. Sois sérieux dans ce que tu es en train de faire. Tu dis que tu te transformes en chat, c'est ça? Et tu fais quoi? Non. Quand je me transforme en chat. On t'a oublié de parler, on t'a pensé. Non. Donc, pas librement. Et puis, on te soigne. C'est une maladie, on te soigne. Oh, tant que tu ne feras pas les aveux, nous ne pourrons pas te délivrer. Ce sont les démons. Et puis, va. Je m'approche près du mur. Maintenant, je rentre dans le mur. Oui. Maintenant, arrivé dans la maison de la personne que je viens chercher, je reprends ma forme initiale. Maintenant, la personne peut être à l'intérieur. Que non. Pas, tu rentres déjà dans la chambre. Tu prends ta forme initiale et tu viens hors. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Okay. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'appelle son âme. Ah, c'est ce que je veux entendre. Et qu'est-ce que tu fais de l'âme? J'envoie ça dans le monde spirituel, à cacher. Et tu tues la personne. Maintenant, tu as gâté qui est qui et qui? Après la vie de deux personnes. Donc? Il y a mon âme qui a un secours qui s'appelle Serge. Oui, comment tu as gâté? Ils sont bonnes. Tu vas pas avoir un travail. Quand tu dis tu as pris le bonheur, ça veut dire quoi? Et toi, la serre, comment est le bonheur? C'est comment? L'étoile, c'est comme. Le bonheur, c'est comme une étoile qui brille. Donc, vous savez, vous connaissez les étoiles qui sont sur les gens. Quand quelqu'un a une chance, vous maîtrisez ça, vous savez, tu sers. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est la même de ta famille, tu peux détruire? Non, ce n'est pas de ta famille, tu ne peux pas détruire. Mais ce n'est pas le monde de la famille que tu dis. Comment? En quoi présent? Grâce à ces hommes. Vous comprenez? Non. J'explique. Salut, s'il n'est pas de ta famille, qu'est-ce qu'il fait? Le contact avec toi, il va directement dans ta région. Et puis, il capte. C'est ça les zones. Il capte les zones. C'est une fréquence. C'est comme une fréquence. C'est comme une fréquence. Quand nous marchons, il y a des ondes spirituelles, c'est ce qui capte, il a toutes les informations sur toi, tout est diffusé. Or, vous détruisez dans son corps des informations. Pour ceux qui sont dans l'armée, ça qu'on appelle le salut des renseignements. Ils ont toutes les informations sur l'une d'attaque. Ensuite, d'avoir toutes les informations, sera difficile de vaincre la personne qui a passé. Or, c'est ça que vous détruisez. Tu as quelle protection, tu as quoi? Ils ont tous ces éléments, ils disent, oh non, ils te perdent, ils n'ont lieu d'être. Et paf, ils te foudroient. C'est ça que c'est dangereux la société. Or, quand c'est dans une famille, quand il y a la sorcière dans une famille, on sent déjà le nom d'engloutissement, ça va commencer et ça, c'est tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a la même chose, que tout le monde, et puis on est tous frustrés, il y a la frustration, toi-même tu ne sais pas où te mettre ton argent, et tout ça, ça veut dire que déjà quelque part, il y a une main obscure qui t'empêche d'avancer. Attends, j'ai élevé mon papa. Hein? J'ai élevé mon père. Ça veut dire quoi? J'ai pris son âme. Il a mis ça dans le monde spirituel. Je dis, j'ai élevé mon papa. J'ai pris son âme. Je l'ai mis dans le monde spirituel. Tu mets la tâche là. Maintenant, j'ai gâté la vie de deux personnes. Mon nom qui est Ayam Soko. Il a pris sa chance. La chance comme, qui est comme une étoile qui brille. Maintenant, il a pris son bonheur. Partout il passe. Quel que soit ses diplômes, il ne va jamais avoir du travail. La deuxième personne, c'est ma mère. Où elle est? Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie quand même? Bien ici. Qu'est-ce que tu as gâté? Je n'ai pas envie.
dans la même taille, non? Des grandes soeurs, petits frères. Hein? Qu'est-ce que tu as gâché? J'ai gâché son mari. Tu vois, à mesure que c'est... Si aujourd'hui, elle veut se marier aujourd'hui, je vais faire tout possible. Elle va vouloir se marier aujourd'hui. Donc, la date qu'elle a produit, hein, ça ne va jamais arriver. Ok, tu as fait quoi? Si tu avais dit là, je ne comprends rien du temps. Je dis, j'ai gâté son mariage. En quoi faisant? Tu as fait quoi pour gâter le mariage? Quand tu dis que tu as gâté là, tu fais quoi? Et puis quand elle veut se marier, et puis ça ne marche pas. Ce n'est pas ta faute. C'est pour tout le plan spirituel. Tu ne l'as pas épousé? Tu ne l'as pas épousé comment? Tu me dis non. Moi, je n'ai pas d'informations sur toi. Moi, je peux te compter toute ta vie comme ça. Or, quand quelqu'un dit qu'il a gâté son mariage, écoutez très bien, c'est un enseignement. C'est-à-dire que lui, il a épousé spirituellement. Donc, quel est un mec, il y gâte, c'est ça, sur le plan spirituel. C'est ça, il ne peut pas expliquer. Quand il dit que tu as, c'est ça, il pose la question, comment tu as fait? Il ne peut pas parler. Alors, quand c'est comme ça, c'est que c'est lui qui l'a épousé. C'est lui son mari. Ah, ce que vous voyez qu'on rêve, qu'on dit non, mari de nuit. Non, on dit mari esprit, on ne dit pas mari de nuit. On dit femme esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas la nuit seulement faire des rapports. Et la personne est dans ta vie. Il y a une jeune dame qui est rentrée dans mon bureau qui me parlait de ça. Elle dit, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui force pour coucher avec elle. Quand vous voyez ça comme ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Monsieur, je suis en train de te dire. Il y a tout ce monde là, je vais prendre. Je suis en train de te dire. Il n'a pas eu de parler, non? Dans le monde spirituel, comme vous avez dit, je vous dis ma maman. Tout homme qui s'approche. Comment j'ai dit, moi j'ai dit. Comment nous j'ai dit. Qu'est-ce que tu as fait? Comme je l'ai fait. J'ai épousé ma maman dans le monde spirituel. Moi je suis voyant. Je n'ai pas besoin que toi tu parles. Je peux te dire, voyez ce qu'il fait, voyez ce qu'il fait. Non, c'est une manière de parler à ta place. Or, si je parle à ta place, ce ne sont plus des aveux. Ce sont des révélations. Or, ce dont tu as besoin, c'est de faire des aveux. C'est toi qui as gâté. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous ne savez pas qu'on dit pour confesser là. Dieu ne sait pas ce que tu as fait. Quand tu vas chercher femme des gens, Dieu voit ça. Tu vas voler, Dieu sait. Mais pourquoi Dieu veut que tu te confesses? Parce que dans la confession, il y a ce qu'on appelle reconnaître, avouer, abandonner. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc quand tu avoues, tu dis, ah ok, comme il reconnaît. Parce que le fait même d'avouer, ça dit qu'on reconnaît avoir fait tel acte, tel acte, tel acte. C'est ça qui amène Dieu à pardonner. Sinon, j'ai fait, sinon, je peux te dire, j'ai fait ça, je peux te dire, oui, oui. Ça, c'est pas un vœu. Et ça ne résout rien dans la délivrance. Sinon, toi, il t'a dit à ce qu'il y a, c'est moi qui t'ai dit à ta maman, il lui laisse, il faut le faire. Ou bien, il est venu dans mon bureau, fait quoi? Il dit, ok, moi, je ne parle pas, je te laisse. Maintenant tu parles aujourd'hui, tu es sorcier. C'est comme ça. Tu es sorcier. Moi je le savais, c'est moi qui ai demandé à ta maman. Va envoyer le petit là, il n'a qu'à venir. Je ne t'ai pas forcé. Je ne t'ai pas forcé dans le bureau. Je ne force pas quelqu'un. Tu es libre. Or quand tu rentres dans mon bureau là, quand tu sors, puis dit va, c'est ton visa qui te donne. Tu ne veux pas rentrer ici là, c'est consacré. Tu es sorti, tu rentres d'ici là. Tu es un homme mort. Tu n'as pas parlé, tu es un homme mort. Donc tu as épousé ta maman, tu ne veux pas qu'elle se marie. Allez, allez, allez. J'ai épousé maman sur le plan spirituel. Comment tu l'as épousé? Je n'attends même mariage. C'est dans l'autre monde. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ta mère? J'ai gâté son mariage et son enfantement. Il est le seul.
Tu cherches quand toi. C'est lui-même qui a marié. À chaque moment, quand il y a quelqu'un dans ma vie, même ça ne marche pas. Il y a toujours les blocages, toujours les jaloux, parlables. Ça. Comme ça, il ne veut pas te partager. Monsieur Ramsey, c'est tellement vrai que moi-même. Oui. Là, tu couches avec elle. Oui. C'est ta femme qui te plante spirituel. Tu as fait quoi encore? Tu as deux autres personnes. Non. Elle. Tu as pris son enfantement. Hein? C'est ce que tu as dit, non, il l'a gâté. C'est-à-dire qu'il a pris l'enfantement. Écoutez très bien les aveux. Moi, j'ai un enseignement, je vous donne en même temps dans les aveux. Quand il dit qu'il a gâté, c'est-à-dire qu'il a pris. Café là, il a pris. Or, quand il prend, il gâte ça quelque part. Or, quand quelqu'un te dit j'ai gâté son argent, ça veut dire qu'il a pris la mise à quelque part. Toujours, vous allez voir dans une confrérie, il y a l'aspect du canari. Si ça ne ressort pas dans la confrérie, coincez-le. Coincez-le, il va faire sortir ça. Or, quand il prend quelque chose, il met ça quelque part. Il gâte ça quelque part. On est pas. On avance ou bien. Donc, il faut que je parle à ta place, c'est ça? Ah, voilà. Et quand il la rentre, comment? Son enfantement pour mettre dans une monde spirituel, dans un canal, et son mariage. Ok, demain on va poursuivre ça. Ok. Monsieur, allez vous mettre de l'autre côté. Vous êtes sorcière. Hmm? Tu as fait quoi? Qui t'a donné? Hmm? Quelle grande. Hein? Fais sortir ta voix. Fais sortir ta voix. Parle fort. C'est la soeur de ma grand-mère. Comment elle t'a donné? Elle m'a donné, oui, il y avait. Oh, la période où les gens en d'autres sorcellerie dans le village, c'est la période de janvier, février. Où il y a faim au village? Mm-hmm. Les gens laissent les enfants. Ouh, c'est fini. Allons-y. Oui, hein? Quand tu as mangé, tu as senti? Qui? Le mari de ta mémé, qui t'a donné là? Quand tu as donné, tu allais tuer le mari de ta mémé. Quel mémé? Ma grand-mère avait sa mémé. Tu as tué. Comment tu l'as tué? Il a lancé un sort. Il était malade. Il avait comment tu as donné la maladie? Il marchait en fait. Quand Yuri vous l'a dit, la définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sort. Allons-y. Quand tu as lancé, il n'avait pas. Oui, il a compris. Une petite qui parle comme ça, elle dit, elle a lancé le sort, monsieur. Et le monsieur a marché, il est rentré à la maison, il a commencé à vomir. On lui a mis l'attention. Allons-y. C'est comme ça, elle est morte? À l'hôpital, oui. Ah ah. Et attention, il a fait AVC. Moi, lui-même, il a AVC. Ça aussi, tu manges. Ok, tu as tué qui encore? Il est au village.
Qui encore? Tu as Dieu combien? 5. Non, tu as gâté qui? Hein? Les parents, ils sont où? Oh, ça nous intéresse, les victimes. Venez. Nous allons régler ça. Monsieur, allez-vous dans la chambre. Lui, qu'est-ce qu'il est pour toi? C'est qui? En dedans. Et c'est là. Qu'est-ce que tu as gâté dans la rue? Hein? Comment tu as gâté son travail? Quand il va chercher son argent, il ne retrouve pas son argent. Tu as ce problème là? Oui. Vous comprenez? Il dit à le mois passé, banque de l'environ 24 000, c'est ça? C'est pas ton salaire. Non. Et la fille dit qu'elle va, quand son papa va chercher son argent, il ne trouve, trouve pas. Regardez l'âge qu'elle a, puis il reste qu'il a vu. Allons-y. Quand tu gardes l'argent, il faut expliquer. Je prends son argent. Tu trouves ça où pour prendre? À la banque. À la banque. Tu vas là-bas prendre ça. Je prends son image. Hein? Elle dit, elle prend son image. Et puis elle va à la banque. Oui, oui, moi j'ai connu un problème quand même avec un monsieur. J'étais obligé de le délivrer. Ils vont dire, monsieur, pardon, il faut qu'il va nous terminer chercher l'argent. Qui demande nous? Dis-moi. Tu ne fais pas là, les gens, il ne fait pas là. On dit, non, t'as vu ici. Qui demande nous? On appelle la police. Il est descendu sa mère. Je ne vais pas le procéder, ce n'est pas amusant. Oh, c'est sa maman qui allait à la banque prendre son argent. Descendu sa maman, elle est tombée. Parler les mortes. Mmh. Tu prends son argent. Là, tu vas à la banque. Mmh. Tu fais quoi encore? Son travail. Comment? Elle quoi? Elle a gardé son enfantement. Ça peut pas encore. Qu'elle prépare chi dans le rituel. Moi, je t'ai cassé. Elle sait qui mange là, elle met dedans. Mange, c'est Jumbo. Non, les sorciers, tu sais. La sorcière, c'est quelque chose de bête, hein. C'est la maillette, tu vas chier. Qui tu manges ça? Hein, tu mets ça, pour qu'il y ait un problème. Quand tu as des mains, il n'y a pas de caca dedans. C'est d'abord. Et tu fais quoi encore? Hein? Pas de fort. Tu fais quoi? Tu couches avec deux. Tu couches à lui là. Couche à lui. Comment tu fais? Hein? Parle, hein? Parle, parle, hein? Hein? Elle est grandie. Tu deviens femme là-bas.
tu grandis. Ok. Et celle-là? Tu deviens un garçon. Et puis tu fais quoi? Hein? Comment tu deviens un garçon? Hein? Attends, quoi? Elle est ce tour de quoi? Pour monter, comment tu fais? Tu tapes, tu t'appuies sur tes fesses. Je fais, je vois. Et puis qu'est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu sors? Vous dormez la nuit, vous avez l'impression que vous faites l'amour avec les gens, vous êtes mouillé matin. C'est sorcier qui vient faire l'amour avec toi. On a rapporté un gars dans un village, il est vilain. Mais c'est lui qui couchait toutes les femmes. Il te regarde, il dit rien. Lui, il ne drague pas. Il ne sait pas draguer, mais la nuit, il est dans ta chambre. Oui. Et quand il couche avec toi, il bloque tes menstrues en même temps. Tu ne vois plus tes règles. Non, à mon avis, des sorciers. Hein? Tu ne guéris pas. Hein? Mais c'est ça. Infini, monsieur. Mais quand il dit la couche était, tu es étonné, belle femme. Tu es fait comme elle dit. Oh, quand il dit la couche, tu vérifies effectivement. C'est vrai. Elle voit les gens dans le rêve et puis elle ne voit plus ses menstrues. Or, quand les sorciers disent, je couche pas ton objectif, vous gâtez quelque chose dans ta vie. La dernière fois, on a vu une ici, elle dit, moi, il y a pour vrai, la pire pour sorcellerie. Mais quand il est là, il prend pour sorcellerie, puis il voit ça devant moi, puis je m'en vais coucher avec. Jésus va te délivrer, d'accord? Dieu va te délivrer. Elle sera se délivrée, elle sera ta fille chérie. Donc, ça sera du passé. Ta vie passée, maintenant elle va t'apporter du bonheur. Or, quand vous voyez que le diable entend utiliser une personne comme ça, le diable sait, connaît son avenir. Le diable est tellement rusé. Le diable est gâté ce qui est bon. Si, si. Or, nous avons notre manière de voir les sorciers. On voit une victime de Satan. Or, d'autres disent non, c'est prophète. Quelqu'un qui dit, elle tourne en rond, et bien, c'est quelle victime? C'est quelle victime? Moi, je la vois comme victime. Pour débarrasser l'esprit et puis l'aider. Amen. Or, l'église est là pour ça. L'église est là pour délivrer les gens. Amen. On dit Amen. Amen. Au montage, je peux. Au montage, je prends le bout. Non, c'est pour mettre, tu m'envoies. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Tu as gâté quoi encore? Le maquis. Hein? La maison. Tu veux voir? Je viens danser là-bas. Danser là-bas. Mmh. C'est une boîte de nuit. Mmh. Où danser là-bas? Dans le salon. Dans le salon. Mmh. Eh, caca. Non, c'est caca. Tu sais, pourquoi nous blaguer? C'est les mêmes pratiques. Toi, tu vas venir avec un fétiche. Toi, ce que tu as là, c'est plus qu'il faut que je dise. Or, quand quelqu'un dit, tu es badigeonné la maison, c'est toujours l'excrément. Quand quelqu'un dit, il a gâté le champ, je suis allé, c'est qu'il a chié dans le champ. Et ça, cette pratique-là, nous mettons ça ici. Tu vois, c'est la même chose. Tu es maquillé. Tu es gâté ça. Tu gâtais tout dans la maison. Hein? Parle fort. Je place caméra dans la maison. Elle au salon. Ah, le papa, il pense qu'il est caché. Il est au final, on voit tous ces mouvements dans la maison. C'est pour ça que dès que vous rentrez dans une maison, faites une prière, brûlez les caméras à gauche.
toujours se pointer à gauche. Et prends toujours la caméra de contrôle à gauche. Amen. C'est les choses que je maîtrise. Donc quand je rentre dans ta maison, déjà, je brouille ça. Et c'est fini, il y a le contrôle de la maison. Parce que j'en ai parlé là. En quelques minutes, le gars est surpris. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est fini, ça rentre dans leur système. Or, eux, ils revoient les images après. Ah, la sorcellerie, c'est une science. Pourquoi ils regardent le canari, et puis à partir du canari, ils voient la personne dans la rue, tout cela. C'est tout. Si vous expliquez la sorcellerie, vous-même, vous n'allez plus combattre la sorcellerie. Bon, oui, après ça. À ta mémé. Ça fait comment? Hein? Tu es tombé malade. C'est pour ça que vous devez prier sur tout. Et ça, vous devez donner cet enseignement à vos enfants. Ils touchent quelque chose parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Là, ils en fichent, ils mangent. Quand ils mettent plat, ils mangent. Après, c'est vrai. Tu as oublié, Seigneur, comment tu as déjà béni le plat? Non. C'est ça, en fait, le problème. Nous négligeons tout. Or, la spiritualité a horreur de la négligence. C'est dit de négliger, ça veut dire de détruire demain. Or, comment il m'a dormi? J'ai fait ma prière. Une petite prière. Le psaume 4, verset 9. Vous rentrez dans l'invisible. Il n'y a pas un sorcier qui a dit quoi? Le psaume 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est fini. C'est fini et c'est fini. Amen. Amen. Il y a des choses que vous devez maîtriser. Je la laisser, que je sois libre parmi tout ça. Allons-y. Hein? Mon nom, il a eu à faire pucu. Le papa? Pucu à qui? Mon papa. Ton nom qui a fait pucu à ton papa? Physiquement? Ok. Et puis mon nom, qu'il a vu, il a dit que moi j'ai pucu. Mon nom qui partait. Il avait occupé des soins. C'était pour quoi? C'était pour le signe de mon papa. C'était pour faire quoi?